veut toucher notre cœur. Amen. Alors nous allons lire ensemble le livre de Malachie. Malachie 2, verset 1er. Regardez les commandements que le Seigneur nous donne. Malachie 2, verset 1er. Maintenant, à vous ce commandement sacrificateur. Si vous n'écoutez pas et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je maudis vos bénédictions parce que vous ne le prenez pas à cœur. Mais voici, je menace de détruire votre descendance. Amen. Nous sommes là devant un texte qui doit, mon frère, ma soeur, nous bousculer, nous réveiller. Regardez, ce n'est pas un homme qui a parlé, mais là c'est l'Éternel qui parle au sacrificateur. Amen. La Bible nous dit que, à cause du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha, nous sommes devenus un royaume de prêtres et de sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. 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 Et à ce moment-là, Dieu parla par la bouche de Malachie et lui dit, maintenant à vous ce commandement sacrificateur. Il ne parle pas au monde, il parle à l'Église. Amen. À vous ce commandement sacrificateur. Si vous n'écoutez pas et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je maudis vos bénédictions parce que vous ne la prenez pas à cœur. Amen. Jésus l'a dit à ses disciples, là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Amen. Et Dieu veut nous interpeller en nous disant que nous devons prendre de tout notre cœur, commencer à bénir son nom. Amen. Donnons gloire à Dieu de tout notre cœur. C'est ce que Dieu veut que nous faisions. Amen. Et que sa bénédiction, nous la prenons à cœur. Quelle est la bénédiction que Dieu nous a laissée? La bénédiction que Dieu nous a laissée, c'est la suivante. La bénédiction que Dieu nous a laissée, c'est qu'il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Amen. Il a dit, si nous ne prenons pas ça à cœur, nos bénédictions que nous avons reçues, les bénédictions, il les change en malédiction. Vous imaginez? Ça, c'est ce que Dieu dit. C'est pour cela que Jésus a dit, quand vous vous réunissez, commémorer la Sainte Cène en souvenir de ma mort et de ma résurrection. Il a dit, c'est un temps dans lequel l'Église doit se souvenir de la bénédiction que j'ai donnée sur la terre. Amen. Ça, c'est ce que Jésus nous a donné comme recommandation. Parce qu'il savait, que si on mettait notre cœur à nous souvenir de la bénédiction qu'il nous a donnée et qu'on prend cette bénédiction à cœur, la bénédiction continuera toujours à se multiplier. Amen. Mais si nous-mêmes, nous décidons de ne plus marcher de tout notre cœur avec Dieu et de ne plus donner gloire à Dieu avec notre cœur, nous décidons que cette bénédiction, nous la laissons de côté et nous ne la prenons plus à cœur, à ce moment-là, il a dit que votre bénédiction sera changée en malédiction. Il a dit à ceux qui sont maudits, si vous vous détournez et si vous revenez de vos mauvaises voies, je changerai vos malédictions en bénédiction. Amen. C'est ce qui s'est passé le jour où on s'est converti. On était, avant d'être converti, on était dans la malédiction du péché, dans le découragement du péché, dans la mort du péché, dans la maladie du péché. Pourquoi? Parce que tout ce qui est lié à l'homme, qui détruit l'homme, est une conséquence du péché du premier Adam. Amen. 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 L'homme n'est pas fait pour être malade. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour être malade. Mais par contre, la conséquence du péché, depuis que l'homme a goûté le fruit défendu, la maladie a commencé à venir sur l'homme. Et la maladie a commencé à détruire l'être humain. Amen. Amen. Mais quand nous nous tournons des ténèbres à la lumière par la conversion, la Bible nous dit les malédictions qui étaient liées sur nos vies commencent à devenir bénédictions en Jésus-Christ. Amen. Et pour
nous puissions continuer, le Seigneur nous parle aujourd'hui. Il nous dit, si tu veux continuer à vivre dans la bénédiction et que la bénédiction continue à grandir, il regarde sur ton cœur. Amen. Jésus a dit, là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Des fois, nos cœurs sont dans la peur. Des fois, nos cœurs sont dans la crainte. Des fois, nos cœurs sont dans le découragement. Mon frère, ma soeur, quand nous voyons ces choses-là arriver sur nos vies, alors commençons à prendre conscience que l'amour de Dieu est en train de disparaître de notre cœur. Pourquoi? Parce que la Bible me dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit, l'amour parfait bannit toute crainte. Que l'amour de Dieu là, il y a une grande paix dans le cœur. Amen. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. Et quand nous marchons avec Dieu, bien souvent nous ne savons pas ces choses. La Bible nous dit, mon peuple périt par le manque de connaissances. Le diable sait que le peuple de Dieu n'est pas instruit par ces choses-là, alors il met la peur dans le cœur. Ça vous est jamais arrivé, tout d'un coup vous vous réveillez, le cœur commence à battre, une angoisse qui est là, on ne comprend pas. Alors on essaie de prier, mais l'angoisse devient est comme plus forte. Le cœur est angoissé, le cœur est stressé, il y a comme un poids. À ce moment-là, si cela t'arrive le matin quand tu te lèves, au lieu de continuer ta journée et de vivre une journée catastrophique, dis Seigneur, je reconnais quelque chose, que ton amour est en train de partir. Je vois mon cœur et je vois que ton amour est en train de partir de mon cœur. Maintenant, je reviens toi de tout mon cœur et je donne gloire à ton nom pour que ta paix vienne s'installer dans mon cœur. Amen. Amen. Ça, c'est un combat du croyant de chaque jour. Amen. Chaque jour, mon frère, ma soeur, tu auras ce combat. Et chaque jour, la Bible nous dit, c'est pour ça la Bible nous dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent toutes les sources de la vie. Amen. Veille sur ton cœur. Chaque jour, nous avons une mission, mon frère, ma soeur, de veiller sur notre cœur. Amen. Nous venons à l'église pour apporter un sacrifice du cœur. Amen. Nous venons pas pour dire, oh, je vais voir les frères et les sœurs, oh, je viens à l'église pour parler de ce que j'ai acheté au marché hier. Non, il a dit, quand tu viens dans le lieu saint, apporte le sacrifice de reconnaissance et d'adoration. Amen. Même si on est deux, même si on est trois, même si on est cinq, si on est 10, 20, 30, si on comprend cette réalité, nous allons être heureux de venir à l'église. Amen. Pourquoi? Parce que nous allons apporter de tout notre cœur la louange, l'adoration, le parfum d'une bonne odeur. Amen. 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 Maintenant, à vous ce commandement sacrificateur, si vous n'écoutez pas et si vous ne donnez pas gloire à mon nom de tout votre cœur, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Amen. Quel est l'homme qui aime la malédiction? Aucune personne sur la terre n'aime la malédiction. Ni toi, ni moi. Amen. Celui qui aime la malédiction, c'est qu'il a déjà un problème dans son cœur. Amen. Il a déjà un problème dans son cœur. Ce n'est pas qu'il aime la malédiction, c'est qu'il n'arrive pas à s'aimer lui-même. Amen. Jésus a dit, tu peux que aimer ton prochain si tu t'aimes toi-même. Des fois, en tant que croyant, on essaye d'aimer tout le monde. Oh Seigneur, j'aime les gens, j'aime les gens. Le Seigneur sait que tu ne t'aimes pas toi-même. Et que ce que tu es en train de faire est un réel mensonge pour ta propre vie. Alors tous les gens qui vont être autour de toi, ils vont commencer à s'enflammer contre toi. Et toi tu vas te dire, ah oh, Seigneur, je les aime. Ces gens vont devenir plus méchants envers toi. Et tu vas dire, mais Seigneur, comment ça se fait que je les aime et les gens sont tellement méchants? Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu es un menteur, tu ne peux jamais dire que tu aimes les autres. Amen. Amen. Et Dieu permet cette situation pour que nous puissions nous remettre en question et que nous nous disions, Seigneur, c'est vrai, je ne m'aime pas, je n'arrive pas à aimer les autres. Apprends-moi à m'aimer. Quand je sais que je m'aime, je peux aimer les autres. Amen. Amen. Des fois, nous ne nous aimons pas, nous sommes moches, comme on dirait. Nous sommes trop gros, trop maigres. Nous ne sommes pas assez forts. Nous ne ressemblons pas à Samy. Nous ne lui ressemblons pas tous. Alors, ah, on n'est pas content. On ne ressemble pas à Samy. On ne ressemble pas au gros ramen derrière. Amen. Et on est découragé.
Et le Seigneur veut nous apprendre. Amen. Combien de fois quand nous prions, nous disons à Dieu, Seigneur, apprends-moi à m'aimer. Combien de fois on nous dit ça à Dieu? On demande beaucoup de choses à Dieu, mais on ne regarde jamais sur notre cœur, et ensuite on se demande pourquoi notre cœur est tellement attiré par le péché. On se demande pourquoi notre cœur est tellement attiré par diverses tentations, diverses séductions, diverses choses qui viennent à nos vies. On n'a pas dit que peut-être tu fais l'adultère ou que tu vas voir ailleurs. Mais des fois, alors que tu es devant ton téléviseur, il y a des choses mauvaises qui passent. Tu le sais que c'est mauvais. Mais tu as quand même envie de regarder. Tu te dis, ah mais, Seigneur, ça fait quand même du bien. Ah, c'est pas grave. Je le fais pas moi, je regarde ce que les autres font. Ça vous est jamais arrivé? On regarde la télé, on sait qu'il y a des choses qui sont pas bien. Oh, mais c'est pas si grave. Mes amis, le péché peut venir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible nous dit, l'homme ne prend pas garde. Amen. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Il y a des choses qui... On peut parler du péché par la télévision, mais on peut parler d'autres péchés. La Bible nous dit, ne critiquons pas, ne parlons pas du mal des autres. Et dès qu'une personne ne nous plaît pas, si on voit une personne, la première des choses qu'on essaie de parler, « Ah, tu connais cette personne ?»« Oui, je connais, mais... »« Ah, mais quoi? Qu'est-ce que tu penses d'elle ?»« Non, on ne va pas critiquer, juste savoir ce que tu penses. »« Ah, moi je pense ça. »« Ah oui, c'est vrai, moi aussi. Hein. » Ça vous est jamais arrivé? « Ah, mais c'est pas grave. Seigneur, c'est pas grave. » Dit-il la réalité. Amen. Amen. Comment pouvons-nous aimer nos ennemis si nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Amen. Amen. En fait, ça ne veut pas dire que nous devons rester tous les jours avec nos ennemis. Mais au moins que nous n'ayons pas de rancune, pas d'amertume, pas d'animosité dans nos cœurs par rapport à eux. Amen. Cela peut seulement se réaliser dans nos vies si nous nous aimons nous-mêmes. Amen. Si tu t'aimes toi-même, tu ne vas jamais penser du mal d'un frère ou d'une sœur dans ton cœur. Amen. Quand tu penses du mal des gens dans ton cœur, c'est que premièrement tu penses du mal de toi. Parce que l'homme qui est en face de toi, il est comme toi. Il est fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen. C'est un homme qui est tiré de la terre comme toi. Donc si tu n'arrives pas à aimer un homme, une femme qui est tiré de la terre comme toi, tu n'arrives pas à t'aimer toi-même. Vous savez, Jésus a dit, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu n'arriveras jamais à aimer ton prochain. Pourquoi? Parce que ton prochain est tiré de la terre. Et tout ce qui est tiré de la terre est notre miroir. Amen. Amen. Nous voulons sonder nos cœurs. Voilà une manière de sonder nos cœurs. Le Saint-Esprit nous donne une manière de sonder nos cœurs. Amen. Et la connaissance, qu'est-ce que ça amène la connaissance dans ta vie? La connaissance, ça réveille ta conscience dans laquelle le Saint-Esprit va te parler, va te rappeler les paroles de la connaissance que tu as entendues. Amen. Quand tu connais quelque chose, le Saint-Esprit va amener cette révélation dans ton esprit, dans ta conscience, dans laquelle dès que cette chose arrive, le Saint-Esprit va te le rappeler. Tu vas dire, ah, pourquoi ce pasteur il a parlé de ça? J'aurais jamais dû entendre ça, moi je serais tranquille. Amen. En plus, Dieu il a donné une clé, il a dit, lui il ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Amen. La Bible nous dit que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, bénis Dieu ce matin, parce que maintenant tu ne seras plus ignorant. Tout ce qui s'est passé avant, Dieu ne tenait pas compte parce que tu étais ignorant. Maintenant, tu deviens conscient. Donc maintenant, Dieu tient compte. Amen. Quand tu pardonnes ceux qui t'ont offensé, la Bible nous dit, je pardonnerai tes iniquités comme toi, tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Amen. Nous allons lire encore dans le livre de Jean 14, verset 1er, ce que le Seigneur dit à ses disciples. Jean 14, verset 1er, Jésus dira à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place, donc si je m'en vais
et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et là où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas, nous savons où tu vas, mais comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. La Bible nous parle d'une histoire particulière. La Bible nous parle que Jésus est avec ses disciples, et qu'à un moment donné, alors que Jésus est avec ses disciples, Jésus leur parle de la réalité qu'il allait mourir, qu'il allait partir. Et le cœur des disciples de Jésus a commencé à être apeuré. Amen. Pourquoi le cœur des disciples de Jésus a été apeuré? Regardons ensemble le contexte. Les disciples de Jésus avaient tout lâché pour suivre Jésus. Vous imaginez, ils ont lâché leur travail, ils ont lâché leur famille, ils ont tout lâché. Et la Bible me dit qu'ils ont suivi Jésus. Ils avaient un avenir assuré. Et 3 ans après cette belle aventure avec Jésus, la Bible nous dit que Jésus a dit, voilà, maintenant je vais mourir et je vais m'en aller au ciel. Imaginez, les disciples ont tout basé sur Jésus, ont tout donné sur Jésus. Après 3 ans, ils leur disent, voilà, maintenant c'est fini. Ils se disent, on a perdu 3 ans de retraite, on a perdu 3 ans dans lesquels on pouvait étendre nos entreprises, faire des grandes choses. Et après 3 ans, lui, il nous dit qu'il va partir. Le cœur, il a commencé à paniquer. Et nous-mêmes, des fois, nous nous trouvons dans ces mêmes situations. Nous aimons Dieu, nous bénissons Dieu. Une situation bizarre ou désespéreuse, étrange arrive dans ta vie, ton cœur il commence à battre à 500 à l'heure. C'est vrai, c'est pas vrai? Et là on commence à se poser des questions et à se retourner à droite, à gauche et à chercher des solutions. Et Jésus a vu ses disciples de cette manière. Il a vu Pierre, Jean, Jacques, tous les disciples qui étaient en train de paniquer. Il les a regardés, il les a souri. Donc vous imaginez, des personnes qui sont en train d'angoisser, de stresser, tu viens et tu mets une personne en face qui sourit. Vous imaginez? Mettez-vous dans cette situation, vous êtes en train d'angoisser, de stresser, de chercher une solution, et le pasteur il vient dimanche matin et il vous regarde et il sourit. Et mais pourquoi il sourit? Et Jésus leur dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Amen. Il leur a dit, pourquoi votre cœur se trouble? Pourquoi votre cœur commence à rentrer en panique? Vous savez, c'est ce cœur paniqué qui a amené les disciples de Jésus. Quand Jésus a été cherché dans le mont des Oliviers, c'est ces mêmes craintes, ces mêmes peurs qui ont amené tous les disciples à renier Jésus et à fuir quand les soldats sont venus. Jusqu'à présent, pendant 3 ans, ils étaient tellement en paix avec Jésus, les soldats étaient là, les sacrificateurs étaient là, les disciples étaient toujours à côté de Jésus, parce que leur cœur était en paix. Mais quand leur cœur a commencé à paniquer, quand leur cœur a commencé à s'emballer, là, quand les soldats viennent, tous les disciples prient. Amen. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, c'est quand nous commençons à paniquer, quand nous ne traitons pas ce cœur, que là nous pouvons faire les plus grandes erreurs avec Dieu et que nous pouvons même renier Dieu, même si on disait Seigneur, je ne te renierai jamais. Amen. C'est là où tout d'un coup on commence à avoir même honte si on doit prendre position pour Jésus. C'est là à ce moment-là qu'on peut même paniquer et dire ah non, je ne peux pas prendre position maintenant, que vont dire les gens, et tu préfères te taire que de prendre position parce que ton cœur est en panique. Amen. Amen. C'est pour cela que même quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu avec un cœur paniqué. Nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons avoir confiance totale en Dieu, sinon je ne peux pas venir comme ça prêcher pour vous avec un cœur paniqué. Amen. Ouais. Avec un cœur paniqué, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours défaut avec notre cœur. Amen. Ouais. Et toi-même, si tu veux prier, tu vas voir que si tu pries et que ton cœur est paniqué, tu vas prier 5 minutes, 2 minutes,
1 minute 50, tu vas croire que tu as prié une heure. Tu as regardé sur ta montre. Ah, ma situation n'a pas changé. Amen. Ma situation n'a pas changé. Nous l'avons vu ensemble vendredi. Vendredi, j'étais moi-même étonné quand j'ai vu la vidéo. J'ai pratiquement prêché 1h30, 2h. Mais nous avons pu voir que si tu veux quelque chose de Dieu, tu dois le demander ardemment. Amen. Amen. Ne prier jusqu'à ce que tu reçoives. Même tu dois prier 10 ans pour la même chose. Amen. Élie a prié 3 ans pour la même chose, il a reçu. Toi, tu pries 1 minute pour la même chose, tu ne reçois pas, tu cherches une solution par ton cœur. Ah, mais si je ne suis pas guéri, le docteur doit me donner alors un autre traitement. Le docteur doit commencer à me donner quelque chose de mieux. Je vais faire confiance au docteur. Ah, après, Dieu, on verra avec toi. Amen. On verra Dieu demain, quand le docteur il a donné son diagnostic. On verra Dieu quand j'ai été opéré. On verra Dieu quand une personne est venue et m'a donné des médicaments magiques. Mais commence à faire confiance à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, à un moment, la sœur de Moïse, Myriam, qui avait parlé contre Moïse, la Bible nous dit la lèpre l'avait frappé. Vous savez ce que c'est la lèpre? La lèpre, tu commences à pourrir vivant. Ton corps pourrit vivant. Tu commences à avoir des trous, on voit la chair. Et le pire, c'est que si cette lèpre, quand tu commences à la voir, si tu touches d'autres personnes, la lèpre communique les autres personnes. Ça, c'est la lèpre. Et les gens qui ont la lèpre, on doit les prendre et les sortir de là où les gens ils habitent pour les mettre à part dehors. Et la Bible nous dit que la sœur de Moïse avait été touchée par la lèpre. Ils ont dû la sortir du camp. Moïse a prié 7 jours. 7 jours. Pour que sa sœur soit guérie. Amen. Il a prié et Dieu lui a dit, dans 7 jours, elle pourra revenir dans le camp. Pour demander pardon pour le peuple, Moïse a prié 40 jours. 2 fois 40 jours, il a prié et demandé pardon pour le peuple. Amen. Ça fait 80 jours. Combien on a de jours dans une année? 360. Il a consacré 80 jours pour prier spécialement pour le peuple. Amen. Et nous, on ne comprend pas ça. Mes amis, je vous interpelle, et vraiment le Saint-Esprit veut vous interpeller, parce que nous sommes dans un temps où l'heure est proche. Le retour de Jésus sur la terre est proche. Personne ne sait quand il vient, oui, mais le temps, les circonstances, les choses qui se disent dans la Bible nous montrent que le retour de Jésus est proche. Amen. Et que vivre comme si on restait encore 3000 ans sur cette terre serait une hérésie pour nous. Parce qu'on pourrait passer à côté de l'enlèvement. Amen. Ça, c'est une réalité. Nous avons tellement de projets, tellement de choses. Mais disons-nous, Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre. Fais ce que tu as à faire, mais souviens-toi chaque jour que Jésus peut revenir aujourd'hui. Amen. Amen. Soyez prêts, la Bible nous dit, soyez prêts. Et il nous parle de quoi, soyez prêts? Soyez chrétiens, soyez... Non, que ton cœur soit prêt. Que ton cœur soit dans la paix. Amen. Quand ton cœur est dans la paix, alors tu sais que quoi qu'il arrive, si Jésus revient, tu pars. Si ton cœur n'est pas dans la paix, tu risques de passer à côté. Un jour, il y avait une personne qui avait dans une église une vision qui m'avait interpellé. Et cette personne disait qu'elle avait vu l'enlèvement, et qu'en voyant l'enlèvement, elle a vu les gens qui commençaient à partir, à monter. Et plusieurs personnes partaient, et arrivaient à un certain niveau, plusieurs personnes restaient bloquées. Alors elle ne comprenait pas, elle dit, mais comment ça se fait que certaines personnes restaient bloquées? Ils avaient une corde qui les retenait. Ils sont montés,
Mais arrivés à un certain niveau, ils sont restés bloqués. Et dans la vision qu'elle voyait, cette personne a dit, j'en ai vu, j'ai vu quelques personnes qui étaient intriguées de savoir pourquoi ils étaient bloqués. Et ils sont redescendus pour voir ce qui les restait accroché. Et c'est là où j'ai été étonné. Elle a dit, une personne, elle avait un piano qui la retenait. Une personne avait une maison. Ils avaient tous diverses choses qui les retenaient et qui les empêchaient de partir. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a interpellé. Comment un piano peut pouvoir nous retenir pour aller au ciel? Comment une maison qui est une pierre peut pouvoir nous retenir pour aller au ciel? Et souvent je me suis posé ces questions, mais quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'ai compris. Là où est votre cœur, là se trouve véritablement votre trésor. Amen. Amen. Il y en a certains, on vient à l'église parce qu'on a la passion plus de la musique que de Dieu. Il y a une belle louange à l'église, alors on vient à l'église pour la belle louange. On vient à l'église parce qu'on sait que quand Dieu nous bénit, on a une belle maison. On a une belle voiture. Toutes ces choses sont bien. Mais attention, que cela ne prenne pas la place de Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand ça prend la place de Dieu dans notre cœur, on a une apparence extérieure, mais notre cœur n'est jamais en paix. Amen. 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 Des fois, on peut avoir le cœur au ministère, mais on n'a pas le cœur à Dieu. Amen. Amen. Quand au début je me suis converti, j'aimais Dieu, et quand ensuite Dieu commence à m'appeler pour le ministère et tout, mon cœur, chaque fois, n'était pas en paix. Je priais, je n'étais pas en paix. Et un jour, alors que je priais, je cherchais, que j'ai commencé à réellement rencontrer qui était le Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a dit, donne-moi le ministère. J'ai dit, pourquoi donner le ministère? Je pensais pas qu'il m'a donné le ministère. Pourquoi je donne le ministère? Il me dit, donne-moi le ministère. Je n'ai pas tout de suite répondu, je n'ai pas tout de suite donné. Et le Seigneur m'a fait passer jusqu'à un moment où j'étais seul avec lui. Et jusqu'à un moment, il me dit, le ministère n'est pas si important que ça devant moi. C'est ce que tu as dans le cœur. Et pour moi, c'était un combat, parce que pour moi, ce qui était important, c'était le ministère. C'était quelque chose qui était là dans mon cœur. Et un jour, j'ai dit à Dieu, tu veux le ministère. J'ai dit, prends le ministère. J'accepte seulement toi. Amen. Et pendant tout un temps, Dieu m'a dit, ok, on va voir si c'est vrai ce que tu me dis. Il me dit, au lieu de prêcher, tout le temps où tu vas être dans les églises, où tu vas devoir parler, tu vas seulement leur parler, tu ne vas plus prêcher. Et s'ils te demandent qui tu es, tu vas leur dire, tu es simplement mon ami. J'aimerais vous dire, pendant 2 ans, 1 ou 2 ans, je ne prêchais plus. J'allais devant les églises, je parlais simplement, je racontais quelques histoires de la Bible, et je leur disais, je ne suis pas un prédicateur, je suis l'ami de Dieu. J'aimerais vous dire, pendant 2 ans, Dieu m'a fait comme ça. Même quand l'église ici a commencé, au début je ne prêchais pas. Et quand un moment est arrivé, Dieu me dit, maintenant c'est bon, maintenant tu peux prêcher dans le nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait interpellé, Dieu m'avait demandé cela et il voulait voir s'il pouvait me faire confiance. Et je vous dis que des fois l'envie de prêcher était là. J'étais en train de bouillir. Il se dit, je vais prêcher. Je me dis, non, tant que Dieu ne m'a pas dit, alors j'étais calme. Amen. Et j'étais là. Et je voyais mon grand étonnement que les simples choses que je disais interpellaient les gens. Et je dis à Dieu, c'est toi qui es Dieu, même si on dit une petite histoire. Même si on ne fait pas une grande prédication, même si on ne fait pas un grand enseignement, c'est toi qui touches les cœurs. Et j'ai réalisé que ma paix ne se trouvait pas dans le ministère, mais ma paix se trouve en Dieu. Amen. Le jour où je quitte cette terre, le ministère, il reste sur la terre, moi je pars. Amen. Parce que ce n'est pas mon ministère, c'est le ministère du Saint-Esprit. Amen. Mais des fois, nous avons tous d'autres choses.
Moi, c'est peut-être le ministère, toi, c'est peut-être autre chose. Certains, c'est leur mari, certains, d'autres, c'est leur enfant. D'autres, c'est leur travail. Surtout ici en Alsace, beaucoup sont dans le travail, dans le travail, dans le travail. On dirait que le travail est plus important que toute autre chose. Et mes frères, mes sœurs, que notre cœur se trouve en Dieu. Amen. C'est une simple exhortation peut-être qu'on ferait ce matin, mais que notre cœur se trouve en Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Chaque fois qu'il y a de la peur, chaque fois qu'il y a du trouble dans ton cœur, dis Seigneur, je ne m'aime pas. Je reconnais. Amen. Dire à Dieu que tu t'aimes, alors que ton cœur est en panique, tu passes pour un menteur. Amen. Et j'aimerais vous dire que le père du mensonge, c'est le diable. Jésus a dit aux pharisiens, aux sacrificateurs qui étaient devant lui, ils ont dit, vous ne m'aimez pas. Parce que ma parole vient de Dieu et vous, votre parole vient du diable. Vous êtes des menteurs comme votre père. Ils disent, nous sommes les enfants d'Abraham. Ils disent, c'est pas vrai. Si vous seriez les enfants d'Abraham, vous auriez le cœur en paix quand je vous parle. Mais quand je vous parle, votre cœur s'énerve encore plus contre moi. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes les enfants d'Abraham, vous êtes les enfants du diable. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'il savait que ces hommes, malgré leur apparence religieuse, malgré toute l'apparence qu'ils avaient, ils avaient un cœur qui n'était pas tranquille. Amen. Amen. Et la chose la plus importante pour les croyants de ce siècle et du siècle passé, c'est d'avoir un cœur en paix. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas dire, oh, je vis dans toute la grâce de Dieu, alors ton cœur est en désespoir et ton cœur est en panique tout le temps. C'est pas possible. Amen. Si ton cœur est en panique, c'est là qu'il faut revenir à Dieu. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Amen. 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 Dieu veut nous interpeller. Quand je vois dans l'Ancien Testament, Dieu interpelle toujours l'homme sur le cœur. J'arracherai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Amen. 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 La pierre est toujours froide. C'est vrai. La pierre, c'est toujours froid. C'est pour ça que même en plein été, les serpents, ils aiment bien aller sur les pierres. Pourquoi? Parce que même si elle est chaude d'extérieur, l'intérieur est toujours froid. Si tu mets une éponge et une pierre dans de l'eau, tu ressors l'éponge et la pierre de l'eau. Si tu appuies sur l'éponge sera pleine d'eau. Mais si tu casses la pierre, aussi mouillée qu'elle est, à l'intérieur, elle est toujours sec. Amen. Et cette image, c'est pour nous montrer deux cœurs. Le cœur d'un homme né de nouveau, qui marche toujours avec Dieu et que son cœur est toujours au diapason de Dieu. Et l'autre, c'est le cœur d'un homme, d'une femme qui est apeurée, qui est stressée, qui marche avec Dieu comme ci, comme ça. Quand tu les mets dans la présence de Dieu, qui est le symbole de l'eau, tu les sors. Un, il est immergé, l'autre, il est toujours sec. Amen. Pourtant, ils étaient tous les deux dans la même présence. Ils étaient tous les deux dans la même eau. Mais un était impacté, l'autre est resté toujours sec. Amen. C'est pour cela que Dieu a dit, j'arracherai le cœur de pierre et je mettrai un cœur en éponge. Amen. Un cœur de chair. Dieu veut mettre un cœur de chair dans ta vie. Pourquoi? Parce que la chair, si tu l'es avec un couteau, ça se coupe. Amen. Une pierre, t'as déjà essayé de couper une pierre avec un couteau? T'as déjà essayé de couper une pierre avec un couteau? Ça marche pas. La pierre, il faut prendre le marteau piqueur. Et encore, ça se coupe pas. Il se casse en morceaux. Quand ton cœur est en chair, Dieu enlève seulement les petites choses avec un petit couteau. Donc ça fait du bien quand Dieu nous fait quelque chose. Mais si on a un cœur dur comme une pierre, et que le marteau, la Bible nous dit, la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Quand tu viens avec un cœur de pierre, quand le marteau il tape, il se casse en morceaux. Et c'est pour ça que certaines personnes ils disent, ah mais après avoir entendu la parole, mon cœur est pire qu'avant. Normal. Il y avait une pierre. Le marteau a cassé la pierre. Si tu aurais eu le cœur de chair, tu aurais
aurait juste eu un petit couteau qui aurait enlevé une peau qui était mauvaise. Amen. Et ça t'aurait fait du bien. T'aurais senti un tout petit poids qui s'en est. Mais lui, il est venu avec un cœur dur comme une pierre. La parole est venue comme un marteau et paf, ça a brisé. Amen. La peur tremble quand tu vois l'amour. Amen. Parce que la plus grande difficulté de l'homme, c'est de recevoir l'amour. Amen. La plus grande difficulté de l'homme, regardez juste dans les couples. On s'aime au début, et après, c'est pas qu'on s'aime pas, mais quand il y a quelque chose qui chauffe dans le couple, l'amour, on la reçoit difficilement. Même on vient avec la gentillesse, le cœur, il est tellement... Même un mot gentil, il nous fait enflammer. Ça vous est jamais arrivé dans les couples? Ça, c'est quelque chose qui est normal. Pourquoi? Parce que l'homme a la difficulté à accepter l'amour. Et la même chose se passe dans le spirituel avec Dieu. Quand le cœur vient dur comme la pierre, et que l'amour de Dieu vient, la parole d'amour de Dieu vient, quand notre cœur est apeuré, quand notre cœur est découragé, même si Dieu nous parle avec amour, des fois on n'écoute pas. Dieu dit, c'est bien, Dieu nous a parlé, mais bon, demain on verra. Amen. Changeons de mentalité et dis, Seigneur, je viens à toi tout mon cœur. Amen. Même des fois, quand j'ai pris des gens en entretien, ils disaient, des fois j'ai même l'impression que même si Dieu me parlait, même si l'amour de Dieu, ça ne me pense plus. Ça ne passe plus. Oh, des gens me disaient, oh, la souffrance est tellement grande. Je vais te dire, la souffrance, il l'a pris il y a 2000 ans. Amen. Amen. La souffrance n'est pas grande, c'est un Dieu qui est grand que nous servons. Amen. Oui. Amen. Amen. Peut-être c'est dur. Peut-être c'est des paroles qui semblent nous dire, mais ce pasteur, il est fou. Moi, j'aimerais te dire ce que la parole de Dieu déclare. Amen. 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 Nous voyons avec des yeux de l'esprit, pas avec les yeux de la chair. Les yeux de la chair vont te faire toujours croire, oh, la douleur est grande. Pourquoi? Parce que quand nous disons que la douleur est grande, nous mettons une pierre de douleur dans notre cœur. C'est pour ça souvent, quand on a mal, on dit ça nous fait mal où? Quand quelque chose nous prend aux tripes, ça nous fait mal où? Ça nous fait mal au cœur. Tiens, mon cœur! Ah! Des fois, certaines personnes vont dire, oh, j'ai l'impression que... J'ai comme un nœud ici, là, dans l'estomac. Tellement j'angoisse, tellement je stresse, ça me coupe. Mes amis, ce sont des choses qui sont réelles. Tout ce qui est naturel, c'est d'abord spirituel. Amen. Là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Amen. Et j'aimerais vous dire que le combat que Jésus avait, quand il était en train de prier, la Bible nous dit qu'il était saisi d'angoisse. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était saisi d'angoisse? Il a prié encore plus. Il a prié encore plus. Et il y avait un combat entre l'angoisse et la prière. Entre l'angoisse et la prière. Et la Bible nous dit que Jésus est allé jusqu'au terme que sa sueur s'est changée en grumeaux de sang. Parce qu'il y avait un combat entre l'angoisse et la prière. Mais la Bible nous dit que Jésus a vaincu l'angoisse parce que la prière de Jésus était bien plus forte que l'angoisse. Et ensuite, il allait en paix dans les chemins que Dieu lui a donnés. Amen. Amen. Jésus lui-même était... L'angoisse a essayé de venir chez lui. Mais il nous a montré le chemin. Il nous a montré que voilà, même si l'angoisse est venue, j'ai prié, ma sueur s'est changée en sang. Amen. Qui a déjà prié jusqu'à ce que sa sueur change en sang? J'ai vu personne encore. Amen, même pas moi. Mais Jésus l'a fait. Je ne sais pas quelle devait être l'intensité de sa prière. Mais je vais vous dire que toutes les puissances des ténèbres à ce moment-là sont venues avec toute l'angoisse, toute la peur du monde pour essayer de décourager Jésus. Ça, c'est le combat qu'il a mené. Amen. Et nous, on ne comprend pas ça. Quand notre cœur est découragé, quand la souffrance veut venir, on dit, oh Seigneur, tu sais, la souffrance est tellement grande, mon cœur est tellement dur, mon cœur est tellement fermé.
va au-delà de ça. Amen. Va au-delà de ça. Là où l'homme est, là où la faiblesse de l'homme s'arrête, c'est là où la puissance de Dieu commence. Amen. Là où l'homme est arrivé à sa limite dernière, c'est là où Dieu commence à agir. Amen. Amen. Et des fois, Dieu doit nous secouer pour arriver à nos limites. Amen. J'aime arriver à mes limites, parce que quand j'arrive à la fin de mes limites, je vois Dieu qui agit. Amen. Il y a des fois des moments où je priais, et pendant tout le temps de prière, il n'y avait rien, pas présence de Dieu, rien. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai lu ma Bible, j'ai prié, rien. J'avais l'impression que le ciel était fermé. Et après un long moment, je sais pas, une heure, deux heures, rien du tout. Et là, je dis, Seigneur, maintenant, je suis fatigué, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Et là, à ce moment-là, la présence de Dieu descend. Et là, je suis arrivé à ma limite. Et toi, tu as commencé. Amen. Mais pendant tout le reste du temps, rien. Rien du tout. Amen. Des fois, des situations, j'ai prié. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, six. La situation ne changeait pas. Et tout d'un coup, au bout d'un certain temps, j'ai dit Dieu qui commence à agir. Amen. Amen. C'est pour cela que de certaines choses, je ne m'inquiète plus. Parce que je sais que Dieu agit toujours même à la dernière minute. Au début, quand j'étais fiancé, non, quand j'étais fraîchement marié, mon cœur s'angoissait toujours dès que j'avais pas de travail. Dès que j'avais pas de travail, j'angoissais. Mon cœur, il angoissait. Alors je priais, je dis oui Seigneur, je veux, mais mon cœur n'était pas tranquille. Et un jour avant que les incendies étaient finis, je n'avais plus rien, Dieu me donne un travail. Et j'ai travaillé pendant tout un temps, et le Seigneur m'a dit une chose, il m'a dit, tu vois, tout ce temps que tu t'es inquiété pour rien, parce que j'allais de toute façon intervenir. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, sur cette situation, ne t'inquiète plus. J'aimerais vous dire que jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis plus jamais inquiété pour ça. Mon cœur était toujours en paix. Même si j'arrivais dans les derniers jours, je disais à mon épouse, Dieu va intervenir et Dieu intervenait toujours dans les derniers jours. Amen. 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 Mais j'ai appris à que également cette dimension-là, des fois, venait bloquer nos cœurs. Amen. Et quand j'analyse toutes ces choses et que je me souviens de cette personne qui avait donné cette vision qu'il voyait par rapport à l'enlèvement, je me dis, mais Seigneur, si nous regardons nos cœurs, nous voyons que plusieurs choses peuvent nous retenir sur la terre. Amen. Si nous commençons à sonder nos cœurs, nous voyons que beaucoup de choses peuvent nous retenir. Et que même si toi tu reviens, on est tellement préoccupé par nos soucis, nos problèmes, nos difficultés qu'on peut rester sur terre. Amen. Et je dis à Dieu, je dis, mais comment ça se fait que dans pas beaucoup d'endroits on parle de ça? Il m'a dit, le diable essaie d'aveugler les hommes et les femmes pour ne pas qu'ils voient la réalité sur la lumière et qu'ils partent pour l'enfer. Amen. Donc c'est pour cela que nous-mêmes, en tant qu'Église, quand nous savons ça, nous devons saisir cette réalité. Amen. Amen. Venir avec un message, je vous dire, ah, mes frères et sœurs, la vie est rose, la vie est belle, oh, on ira tous au paradis, je serai un grand menteur. Amen. Mais ensemble, quand nous venons à l'Église, nous allons ensemble traiter nos cœurs, pour que quand le Seigneur revient, nos cœurs soient prêts. Amen. Le but de l'Église, c'est d'amener le peuple de Dieu à avoir un cœur qui est prêt quand il revient. Ça, c'est le but de l'Église. Amen. Amen. Ça, c'est le but premier des croyants. Amen. Pourquoi? Parce que l'évangélisation, c'est pareil. Quand les gens se convertissent, ils viennent à Jésus. Pourquoi? Pour devenir des chrétiens? Pour chauffer des chaises? Non. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que des hommes et des femmes viennent, qu'ils commencent à se préparer à la rencontre de leur Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Il y a un voyage que nous devons préparer. Il y a des bandes dessinées, des petites bandes dessinées que j'ai bien aimées. Où la Bible nous dit qu'il y avait... Non,
Cette bande dessinée nous raconte qu'il y avait un roi qui avait un four. Et puis il lui a dit, ah, tu me fais rire avec toi, je rigole bien, je me divertis bien. Et le roi lui dit, écoute, j'aimerais que tu visites tout le royaume et que tu cherches un homme plus fou que toi. Alors le fou, le bouffon, il est parti. Et il a commencé à chercher dans tout le royaume du roi un homme qui est aussi fou que lui. Et à son grand étonnement, il n'en a pas trouvé. Et après un long voyage, il revient chez le roi. Et le roi était gravement malade. Le roi allait bientôt mourir. Et le fou arrive chez le roi et le roi lui dit « Écoutez, est-ce que vous avez trouvé une personne plus fou que vous ?» Et lui dit « Non, je n'ai pas trouvé. » Il lui dit « Mais mon roi, qu'est-ce qui vous arrive ?» Et le roi lui dit « Écoute, je vais partir pour un grand voyage dans lequel je ne reviendrai plus. Je vais mourir car je suis gravement malade. » Et le fou le regarde et lui dit « Mais mon roi, est-ce que tu t'es préparé pour ce grand voyage ?» Et le roi, à son grand étonnement, lui dit « Non, je ne me suis pas préparé. Je ne savais pas que ce grand voyage allait venir si vite. » Et le fou prend son bâton et le donne au roi. Il lui dit « Voilà, j'ai trouvé dans tout le royaume un homme qui est plus fou que moi. Parce que vous avez un grand voyage et que vous n'êtes jamais préparé. » Amen. Ça doit nous interpeller. Nous voulons être sages devant Dieu. Devant les hommes, nous faisons tout pour être sages. Nous travaillons, nous avons des vies exemplaires pour lesquelles les gens nous voient et disent « Voilà, il a réussi sa vie. » Mais devant Dieu, est-ce que nous faisons tout pour être sages devant lui et pour lui dire « Seigneur, le voyage pour qu'un jour j'arrive chez toi, je le prépare jour après jour. Amen. Je me prépare à te rencontrer. » Ça, c'est la plus grande des clés. Amen. Se préparer à rencontrer Dieu. Et tout se joue dans le cœur. Amen. Tant que ton cœur n'est pas en paix, continue à régler ton cœur pour que le Saint-Esprit nettoie ton cœur. Amen. Tant que ton cœur n'est pas en paix, continue. Dis-lui, Seigneur, je veux que mon cœur soit en paix. Et que si tu reviens aujourd'hui, mon cœur est tellement en paix que je pars avec toi. Amen. Tout le monde sait, chacun d'entre nous sait ce que nous avons dans le cœur. Quand nous avons des craintes et des angoisses, des stress, nous savons de quoi ça vient. Amen. Tu ne vas pas me dire que tu angoisses pour rien du tout. Je ne crois pas que les gens ils angoissent pour rien. Il y a toujours une conséquence. Il y a toujours une peur de quelque chose. Une peur d'une personne. Une peur d'être d'un proche. Une peur de perdre quelqu'un. Amen. Amen. Surtout les moments quand les enfants ils partent, il y a des cœurs qui commencent à s'affoler. Remets tes enfants à Dieu. Amen. La Bible nous dit, celui qui ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses enfants, son mari, sa femme, plus que moi, n'est pas digne de moi. Amen. Plus que moi. D'abord Dieu avant toute chose. Amen. Et tout je donne à Dieu. Amen. Amen. Je donne tout à Dieu parce que tout lui appartient. Amen. Rien ne nous appartient à nous. Tout appartient à Dieu. Prions ensemble. Seigneur, mon Dieu, mon âme te bénit, mon âme te loue. Et Saint-Esprit, je te loue pour ce message. Je te demande maintenant de toucher les cœurs, les consciences. Que la connaissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, amène dans le cœur ta révélation et l'interpellation, Seigneur, de ce que toi tu dis. Seigneur, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, Seigneur, mon désir, c'est que nous sommes tous prêts. Nous sommes tous prêts. Seigneur, que nous sommes nombreux ou pas nombreux, Seigneur, cela, peu importe. Mais Seigneur, nous voulons que le nombre que nous sommes toujours prêts. Et que Seigneur, quand d'autres s'ajoutent, que nous continuons à être prêts. Et que quand d'autres s'ajoutent et s'ajoutent encore, nous continuons sur le même chemin. Seigneur, nous voulons être comme Jésus, comme les apôtres, comme les disciples. Seigneur, qui n'avaient plus peur de rien, parce qu'ils étaient prêts en toute situation et en toute circonstance, prêts à venir te rencontrer.
et prêt à marcher avec toi. Parce que leur cœur était en paix. Seigneur, je te bénis de nous avoir parlé ce matin. Je te bénis de nous avoir parlé. Merci que ton peuple, Seigneur, commence à entrer dans le chemin de la sanctification, dans lequel il commence à préparer son cœur à te rencontrer. Et que, Seigneur, non seulement, Seigneur, nous allons voir encore plus ta gloire, mais que les bénédictions vont affluer, affluer. Des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, des... ta main surabondante sur la vie de l'Église, de le bien-aimé. Whoa!